95. Alors, le 95 est né le 16 avril. Le 16 avril, c'est le comte Guillaume de Brondeau qui nous le présente. C'est un fils de Relink et Vénéry d'Artel. Alors, Relink, on en a déjà beaucoup parlé. Vénéry d'Artel, c'est une fille de Lavirco et la fée d'Artel. On a raconté tout le destin de cette histoire tout à l'heure, la fée d'Artel. Qui a gagné en plat sur l'hippodrome de Compiègne et qui est une très très proche membre de la très proche famille de Olga d'Artel et Aurel d'Artel. Donc une ancienne vieille souche, celle de Coudaine et Sédition, qui a été remis au goût du jour par le comte Guillaume de Brondeau, après avoir été laissé en sommeil pendant une quinzaine d'années. Voilà, le croisement de Relink, Dansilly sur la Virco. Et Crésus d'Artel, donc le network, âgé de 4 ans, il vient d'être quatrième en débutant à Fosse-Las dans un bumper. Ring numéro 2. Nous avons le long 122. Alors, le 122, c'est un fils de Costalpas. Il est né le 26 mai, né tardivement, hein, présenté par Alexandre Bartela de Poiseux. Costalpas est Lady Tou, la famille de Bad Tou, Quito Bleu, Omega et Quito Pass, cousin d'un lot qu'on a vu juste précédemment. La mère est par Cadalco et la grand-mère par l'original Albert de Vongy. Lady Tou est une poulinière qui a déjà donné naissance à deux vainqueurs. Tout va. Gagnant en plat en France et un obstacle en